D'ouragan dans l'espace après une page de publicité. Oh non, encore de la pub. Eh ouais, même dans les dessins animés maintenant il y a de la pub, c'est terrible. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Level One. Regardez le 101 dalmatien, Marcus le Cyrano des jeux vidéo. C'est un peu court, jeune homme. Vous pouvez dire odieux bien des choses en somme en variant le ton, par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Voilà, ils me font des petites surprises à chaque fois dans les sous-titres. Donc, c'est les 102 Dalmatiens, pas les 101. C'est la suite du film. Souvenez-vous, il y a eu un dessin animé de Walt Disney. Vous n'étiez même pas né, mais moi si. Après, il y a eu un vrai film avec Glenn Close, je crois, dans le rôle de Cruella d'Enfer. Tiens, bah voilà, c'est elle. Et puis, maintenant, il y a les 102 Dalmatiens. Là, le jeu s'appelle À la rescousse. Tous ces petits dalmatiens, un jeu bien sympa, un peu genre Spyro, vous allez voir que c'est pas mal. Le film sort bientôt, il sera peut-être sorti au moment où vous verrez le Level One. Il y a Gérard Depardieu dedans. J'avais vu la bande-annonce en Angleterre, il disait « Gérard Depardieu !» Et c'est notre Gérard Depardieu à nous, en fait, qui joue, je sais plus, une espèce comment on appelle ça, un gars qui est dans la mode apparemment, qui est habillé un peu bizarrement. Donc voilà, j'ai pas vu le film. En tout cas, le jeu est pas mal, dites donc. Pour une fois que c'est une adaptation de film ou de dessin animé qui est réussi, bah franchement, c'est bien. Un peu dans le genre Spyro, on va voir tout de suite. Allez, hop, je passe... Oh, je suis dans le noir, j'ai peur. Je passe... je vais sentir le derrière d'un dalmatien pour voir si on devient copain ou pas. Je vais tout de suite commencer avec le jeu. Il y a plusieurs petits trucs. Au lieu de démarrer avec le jeu lui-même, je vais vous faire voir des mini-jeux. Parce qu'il y a des trucs sympas qu'on ouvre au fur et à mesure. Là, je suis au tout début, donc j'ai pas le droit à tous les mini-jeux. Il y a un album de vignettes. Ah ouais, je vous fais juste voir parce que ça m'a bien fait marrer. Un album de vignettes autocollantes. Quand on était petit, des trucs panini, là, où on pouvait... Voilà, vous voyez, on découpe les trucs et on met les autocollants et ça fait des petites images, des petites vignettes. Je trouve que c'est une idée bien sympa. Voilà, quitter l'album de vignettes. Donc évidemment, là, je débute le jeu. Donc j'ai pas encore mes vignettes, mais dans les niveaux vous découvrirez des petits autocollants et faudra les amener et les mettre là, comme ça on aura des belles images. Donc c'est une idée rigolote. Il y a pas que l'album de vignettes, donc il y a les mini-jeux. On va commencer, regardez, il y a mini-golf, il y a farfouille et puis perds pas d'habits. Il y en a plein d'autres, hein, regardez, jeux de dames, la course en glace, etc. Tous ceux-là sont pas ouverts. Il n'y en a que deux qui sont ouverts au début. On va commencer par le mini-golf, histoire de vous faire voir. Alors c'est des petits jeux comme ça. Il faut arrêter, Pierre, de me mettre du côté des derrière des chiens, c'est très désagréable. Mets-moi de l'autre côté. Voilà, donc on peut commencer la partie. Regardez, je suis tout seul, mais on aurait pu jouer jusqu'à 6. Et c'est une bonne surprise, c'est un bon petit mini-golf en fait. Regardez, on jauge avec un os qui permet... Oh, du premier coup, dites donc, qu'est-ce que je suis fort. Je passe au trou suivant, donc avec la flèche, regardez, je peux viser la balle, la façon de la frapper. Et plus je laisse appuyer longtemps sur le petit os, et plus je vais frapper fort la balle. Donc bah, c'est une bonne surprise parce que bon, le jeu, évidemment, c'est un jeu de plateforme. Mais il y a un vrai petit mini-golf assez réussi avec des décors pas mal. Ah, j'ai un peu raté, c'est pas facile de grimper sur le truc. Regardez, je peux tourner autour de la balle avec la caméra pour me positionner de la manière la plus précise possible. Puis voilà, un vrai bon petit jeu de mini-golf. Donc je trouve ça assez étonnant. Ah, j'ai tapé un peu fort. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut jouer, vous avez vu, jusqu'à 6. Donc on peut jouer avec ses potes. Ça, c'est vraiment la bonne surprise, je trouve, du jeu. Les autres petits jeux sont pas forcément à plusieurs, mais c'est bien aussi. Bon, j'arrive pas à rentrer dans ce trou, faudrait que je sois un petit peu plus concentré. Ça pourrait être pas mal, ça. Ah, je tape trop fort à chaque fois, c'est pour ça, ça va pas. Ah, je voudrais bien au moins finir le premier trou. Je vais le faire en 12 coups. Est-ce que je suis bien en face, là? Pas vraiment. Bien me cadrer. Voilà, là, je suis pas trop mal. Je vais taper un tout petit peu. Ah! Ah oui, super. Bon, là, ça va y aller, normalement. Si je fais pas trop l'andouille. Donc si j'étais plus concentré, évidemment, ça irait beaucoup plus vite. Voilà, tu sauras vous faire voir le trou suivant. C'est vraiment un vrai parcours de mini-golf assez impressionnant. Il y a plein de trucs, il y a des fêtes foraines, il y a des décors rigolos. Enfin, vraiment, j'ai été assez étonné de trouver ça. Surtout que, franchement, il est réussi, on va dire. Bon, allez, je vais sortir de là, parce que je voudrais vous faire voir surtout le jeu lui-même. On va regarder juste vite fait l'autre mini-jeu avec un... Je suis toujours du mauvais côté, Pierre! S'il te plaît! C'est pas possible. Je vais descendre, voilà, on va aller. La farfouille, ça s'appelle. En fait, c'est un jeu. Ah bah merci, Pierre, je suis mieux. Oh espèce de... Si je t'attrape, Pierre Boulet, ça va aller très mal. C'est un truc genre Shanghai. Je sais pas si vous connaissez ce jeu. Voilà, un joueur, deux joueurs, on va mettre un seul joueur. C'est un jeu avec des espèces de dominos chinois. Il faut les retourner deux par deux pour essayer de les, comment dire, de les faire disparaître. Alors regardez, je me mets ici, je creuse et il y a un objet qui apparaît. C'est une niche. Je vais aller à côté. Et après, je découvre une deuxième niche. Alors c'était un ballon, vous voyez, ça marche pas. Donc on va aller voir ce qu'il y a ici. Donc faut mémoriser l'emplacement des trucs. J'ai bien une niche, un ballon. Là, il y a un papillon. Alors
va continuer, là ça marche pas non plus, vous voyez, il faut les faire deux par deux en fait. Fer à cheval, ça marche pas. Qu'est-ce que c'est? Ah, deux fer à cheval, ça marche, regardez. Donc les deux trous là, tac, c'est fini. Donc il faut essayer de creuser dans tous les trous pour trouver deux trucs pareils. Ah, regardez, une niche. Donc j'avais une niche tout à l'heure, donc j'ai une niche ici, et si je me souviens bien, voilà, il y a aussi une niche de ce côté-là, super. Donc vous voyez, c'est un petit jeu de mémoire en fait, tout bête, tout simple, mais assez rigolo, on peut aussi jouer à deux. Donc voilà, c'est ça les mini-jeux dans les 102 dalmatiens. Plein de petits trucs un peu idiots, mais finalement assez sympa. Ah, un ballon, je crois qu'il y en avait un par là, si je me souviens bien. Ouais, que je suis fort, j'ai une bonne mémoire visuelle. Voilà, donc vous voyez, l'idée c'est de creuser partout et de trouver, je vais sortir, de trouver le. Comment D'arriver à creuser et qu'il n'y ait plus un seul trou. Ils essayent exprès de me dire, écoutez, il me faut rire. Allez, tout de suite, le jeu lui-même, Regent's Park. Ça commence à Regent's Park. On va aller ensuite dans un magasin de jouets. Il y a plein de niveaux, ils sont assez vastes, il y a plein de choses à faire en plus dans les niveaux. Ça fait vraiment comme Spyro. Alors là, c'est le début, donc on vous explique tout au fur et à mesure. Il parle en anglais. Bonjour, Contre à Terre. Je recherche mes frères et sœurs. Ah non, non, il parle en français, je sais pas. Je crois qu'ils sont peut-être en danger. Oui, Cruella d'Enfer a envoyé une armée de robots jouets pour capturer tous les petits chiens d'Angleterre. Voilà, donc on va se battre avec les robots jouets et avec les deux vilains qu'on a vus au tout début. Avec leurs chaussettes trouées là, que j'aime bien. Donc vous voyez, regardez, ça ressemble, ça fait vraiment beaucoup penser à Spyro. Un peu aboyé pour se débarrasser des adversaires, comme Spyro un peu crachait des flammes. Ça c'est un écureuil, c'est pas un adversaire. Et il peut foncer dans le tas, exactement comme Spyro. Donc vraiment, tout ça se ressemble étrangement. Donc on peut dire que c'est quand même groupé sur beaucoup de choses. Il y a des petits bugs, vous voyez, là je suis sous le banc, je traverse un peu le banc, c'est pas très bien fait, j'ai la tête dans le banc, j'arrive pas très bien à attraper cet os alors qu'il est juste au-dessus de moi. Il y a des petits bugs, donc c'est pas aussi fin et aussi... Okay, c'est curieux, j'arrive pas à l'avoir, cet os. Faut vraiment arriver du bon côté, voilà. Donc c'est pas aussi peaufiné et réussi que Spyro, mais c'est quand même vraiment très vaste, avec plein de trucs à faire, vous voyez, bon, les bancs, allez, j'insiste pas, c'est un peu compliqué. Mais faut récupérer des os, faut essayer de se... des os, on dit. Eh oui, un os des os, un crapal des crapauds, une Sophie Marsal des Sophie Marceau, etc. C'est bien manier le pluriel. Voilà, plein de petits trucs à faire, plein de missions, et délivrer des dalmatiens, un peu comme il fallait délivrer des dragons dans Spyro. Oh, merci de m'avoir sauvé. Voilà, merci. Il y en a 102, hein, donc on a quand même beaucoup à aller délivrer. Donc on se promène, on fait plein de trucs, on va voir, je vais essayer d'aller au niveau suivant. On va se promener un peu dans celui-là. On va discuter avec notre ami l'écureuil. Quand un personnage approche, vous voyez, il y a la petite touche en bas à droite qui m'indique qu'en appuyant sur le rond, je peux parler à un écureuil qui parle avec une voix de débile. Je suis l'écureuil le plus rapide du parc. Content de te rencontrer, Babette. Il y a un tas de trucs trop. Ah, c'est une fille, c'est pour ça qu'elle a une voix. J'allais dire, il prend de la drogue, l'écureuil, mais non, en fait. Si tu as une question, n'hésite pas à venir me voir et je te raconterai tout ce que je sais. Au revoir. Faut arrêter les noisettes, vieux. Bon, allez, on continue. On va aller voir au milieu là, au petit kiosque à musique. C'est assez maniable, vraiment, hein, ça se manie comme Spyro, vraiment, ça va être la référence pendant tout ce level 1, je crois. Vraiment, vraiment, ça rappelle beaucoup Spyro. Quand je disais que c'était pas aussi bien, le gros problème des 102 dalmatiens, c'est la gestion des caméras. Ça se voit pas trop pour le moment, mais il y a vraiment des moments où la caméra vous suit pas très bien. Elle est pas, vous voyez, par exemple, là je suis en face, j'aimerais savoir ce qu'il y a devant moi, je suis obligé de tourner la caméra à la main. Et vous voyez encore, c'est vu du dessus, on voit pas grand chose. Et des moments où ça devient vraiment gênant, surtout quand c'est des niveaux assez étroits. Là on est encore en extérieur, donc c'est assez large et on voit plutôt bien. Mais quand c'est des niveaux en intérieur, notamment le magasin de jouets, on va voir ça tout à l'heure. Ouh, un bon steak. Vous voyez la petite patte là? Ça redonne des points de vie en fait. Donc quand on est en intérieur, c'est déjà un peu plus gênant. Il y a aussi pas mal de clipping, je sais pas si vous avez vu l'arbre qui se formait au fur et à mesure devant moi. Voilà, deux, trois petits trucs un peu pas terribles. Mais bon, dans l'ensemble, on va pas se plaindre. C'est quand même très jouable, bien, long, rigolo, avec plein de choses. Et normalement, là je peux pas encore le faire, mais normalement, on peut se laisser porter par les jets d'eau pour essayer de grimper un peu plus haut et d'atteindre d'autres endroits. Donc vous voyez, les adversaires sont pas bien méchants, ce qui fait que ça met le jeu à la portée des tout petits. Ça, c'est par contre, c'est le bon point du truc. C'est que, vraiment comme Spyro, je vais pas arrêter de dire comme Spyro pendant tout ce level 1, mais c'est de leur faute, vous n'avez pas trompé. Vraiment, c'est accessible aux tout petits. C'est vraiment facile à manier, ça se manie avec le pad analogique. Et c'est tout simple, tout simple. Ah, j'arrive pas par contre, voilà, à défoncer cette caisse. Youpi, je suis libre.
Il faudrait qu'ils muent, les dalmatiens. Ils sont un peu petits encore, là. Oh, non. Alors, point de contrôle, ça veut dire que s'il m'arrive des misères, je recommencerai d'ici, à partir du petit perroquet. Donc, ça va. Je ne suis pas perdu. Bon, on va continuer à visiter Regent's Park. On va aller du côté de... Il y a un autre bassin encore, je crois. Il y a aussi les méchants. De temps en temps, il faut essayer de piéger. De faire tomber dans des trous, des choses comme ça. Donc, vraiment, plein de trucs. Plein de trucs à faire. Ah, là, il y a un dalmatien qui est derrière une grille. Je peux pas encore rentrer pour le moment, vous voyez. Il faut que je trouve une petite clé pour rentrer. Donc il y a des côtés un peu énigmes, c'est évidemment pas grand chose, hein, mais des objets à trouver, des choses comme ça. Alors regardez là, 102 dalmatiens, hop, je vais pouvoir. Tac. Je vais pouvoir sortir, on va pouvoir passer au niveau suivant. Ouais, super. Alors je sauvegarde pas parce que j'ai pas mis de carte mémoire, mais en tout cas je pourrais sauvegarder si. Un petit bisou. Voilà, fais le beau à papa. Il a l'air prétentieux celui-là. Ouais, j'aurais pu sauvegarder évidemment. On peut reprendre la partie avec tout ce qu'on a gagné en cours de route, les vignettes, les petits mini-jeux qu'on a ouverts, etc. De sauver tes frères et sœurs et aussi de retrouver la trace de Cruella d'enfer. Qu'est-ce que tu... Ah oui, j'ai oublié de vous faire voir. Il peut flairer des trucs, le dalmatien. Ce qui est une bonne idée aussi. Il peut aboyer dessus. Ça va le dégonfler un petit peu. Alors là, il flaire, il n'y a rien du tout. Ah si, regardez. On voit des espèces de... Quand il se met à flairer, on voit des espèces de traces sur le sol qu'il faut suivre et qui amènent à différents endroits. Et parfois, il faut creuser à ces endroits-là pour trouver quelque chose. Ou alors, ça nous indique l'emplacement d'un os ou de quelque chose d'intéressant. Donc ça, c'est une bonne idée, le coup du flair, je trouve. Puisque c'est des petits chiens, c'était assez logique. Voilà, encore un. J'ai pas entendu si t'avais une voix débile comme les autres ou pas. Alors le magasin de jouets, ça ressemble un peu au grand magasin qu'on trouve aux États-Unis, genre F.A.O. Schwartz, qui sont, vous savez, décorés avec plein de trucs de tous les côtés, plein de trucs très jolis. Tiens, une petite rampe, on va faire du toboggan. Ça se voit pas parce que je cavale, mais regardez, il glisse avec ses petites papattes. C'est mignon comme tout, ils sont bien animés, je trouve, avec la petite queue qui remue à l'arrière. Ah oui, alors il y a des mini-jeux pour libérer un dalmatien, vous voyez. Là, je me suis approché de ce truc et je peux tirer sur... Ah zut, je me suis ressorti. Je peux tirer sur ces bulles pour les faire éclater. J'en ai une dizaine à faire éclater. J'ai tout le temps que je veux, j'ai autant de munitions que je veux. C'est vraiment des petits jeux sympas pour changer un peu... pour changer un peu des... Comment dire, de la partie plateforme et un peu action qui fait quand même l'essentiel du jeu. Voilà. Ah, bientôt y arriver. Je vise vraiment comme une truffe. Pour un dalmatien, c'est normal. Ah, et voilà, regardez, lui, il est soutenu par un ballon. Donc je vais dégommer le petit ballon rouge et ça devrait le libérer, voilà. Ouf ! Ouais, j'ai gagné une vignette ! Peut-être on ira voir les vignettes que j'ai, les vignettes autocollantes que j'ai gagnées tout à l'heure. Super toutou ! C'est tous des voix de débiles par contre. Mais au moins ils parlent français, c'est peut-être les voix qu'ils auront dans le film, je sais pas, j'ai pas vu le film. En tout cas, voilà, c'est plutôt pas mal fait. On peut aussi changer de dalmatien en cours de route, regardez, si vous en avez un peu marre d'avoir un dalmatien tacheté. Voilà, là c'est lui, et là je crois que c'est une fille l'autre. Par contre, j'ai pas bien compris l'intérêt parce qu'ils ont apparemment les mêmes. Regardez, et ils ont apparemment les mêmes caractéristiques. Ça aurait été sympa que l'un puisse, je sais pas, sauter plus haut ou faire des trucs un peu bizarres, je sais pas. Alors regardez, quand je vous disais que les caméras sont pas très bien placées, là, je suis obligé de la tourner moi-même, la caméra, pour voir l'endroit où je peux sauter, voilà, et pour récupérer la sortie. Donc ça, c'est un truc qui va un peu gêner les plus petits, à mon avis. C'est que de temps en temps, il faudra qu'ils pensent à recadrer la caméra. Et c'est pas toujours un truc très évident et très facile à faire. Donc ils seront un peu obligés... Oh là, on me tire dessus. Ils seront un peu obligés de se contenter des mouvements de caméra qui sont pré-programmés et qui sont pas toujours formidables. Alors là, je suis dans le magasin de jouets, il y a plusieurs thèmes. On va voir ça, il y a même un petit train... Ouais, regardez, ici, c'est l'espace. Il y a même un petit train que je peux emprunter pour aller d'un bout à l'autre du magasin de jouets. Il y a dans tous ces magasins là dont je vous parlais, F.A.O. Schwartz, il y a ce genre de truc. Et là, on peut les trouver. C'est le modèle réduit d'un véritable train à vapeur. Voilà, on m'explique. Tu peux l'utiliser pour aller où tu veux dans le magasin. C'est trop génial. Ah, c'est trop génial. Ils parlent quand même comme des rappeurs, hein. Ils ont des boîtes de gamins de 2 ans, mais... Oh, c'est trop de la balle. Voilà, je me laisse pas faire par les soldats de plomb, moi. Donc les hamburgers, les petits steaks, toutes ces choses, ça vous redonne des points de vue. Il y a aussi un ascenseur, voilà, qui permet de grimper... aux étages supérieurs. Je vais pas le prendre, on va aller choper le petit train. Ça va être sympa. Il n'y a pas de vue, je crois que j'ai pas trouvé de vue subjective comme dans Spyro, ce qui permet toujours de mieux se repérer. Bah là, c'est pas le cas. On dirait des planètes dans Toy Story, je trouve, cet endroit. Voilà, je grimpe à bord du petit train, regardez. Et je peux changer les feux rouges, c'est-à-dire je peux choisir le prochain arrêt. Là, si je mets au rouge, je m'arrêterai à la prochaine station. On va pas s'arrêter tout de suite, voilà, on va continuer. Regardez, je peux jeter un petit coup d'œil autour de moi, je peux me balader dans les wagons, voir
voir un peu ce qui se passe. On va juste faire le tour du... Regardez, là, c'est un petit endroit genre Indiana Jones avec une jungle. Il y a un endroit où c'est un espèce de flipper. Il y a l'endroit où il y a les soldats de plomb. Je trouve que c'est une bonne idée de se balader avec ce petit train. Ça permet de pas se fatiguer les petites papates. Allez, tiens, on va s'arrêter là. Ah, j'ai raté le feu rouge. Le train s'arrêtera à la prochaine gare. Alors, c'est quoi la prochaine gare? Est-ce que j'y suis déjà allé? Ouais, là, j'y étais déjà. Ah bah, je vais retourner dans l'espace, si je ne m'abuse. La salle de l'espace. Non, je vais continuer. Je vais mettre le rouge, on va s'arrêter à la prochaine, je crois qu'on n'était pas passé. Bon, allez, on va descendre là, je sais pas où c'est. Ah bah, c'est la station du flipper, tiens. Ça vous fera voir un petit peu, c'est ta flipper Cruella. Plink. Voilà, regardez, il y a des os, des os. J'arrive pas avec le pluriel des os. Il y a des os qui se... comment dire? Ah! Qui sortent, qui jaillissent des bumpers. Alors par contre, évidemment, j'ai du mal à contrôler tout ça, puisque il faut que... Je rebondis à chaque fois que je touche un bumper. Donc, c'est pas fastoche. Ah! Je vais récupérer les os qu'il y a là-dessus. Donc, vous voyez, c'est assez marrant et assez sympa. Je vais essayer de trouver la sortie pour qu'on voit un niveau un peu plus loin, si on a le temps encore. Voilà, il ne reste pas beaucoup de temps. Allez, on va prendre le petit train, comme ça on ira plus vite. Voilà. Bon, en tout cas, bien sympa, les 102 Dalmatiens, je trouve. C'est Disney qui fait ça, ils font ça eux-mêmes, donc c'est à la limite normal que je sois bien, puisqu'ils n'ont pas, ils ont pas payé les droits d'exploitation du jeu, puisque c'est à eux. Donc du coup, ils ont peut-être des sous pour faire un vrai jeu, ce qui n'est pas souvent le cas. Quand on voit un truc comme les Power Rangers, dont je dirais le plus grand mal dans un prochain Level 1, qui est une vraie daube, vraiment, c'est absolument horrible ce jeu. Bah voilà, là au moins, les 101 Dalmatiens, enfin les 102 Dalmatiens, que dis-je, c'est vraiment réussi. Bon, on n'aura pas le temps d'en voir plus pour aujourd'hui, je suis désolé. J'aurais bien voulu faire voir un petit niveau de plus, ça m'aurait fait plaisir, mais bah vous les découvrirez vous-même et vous verrez que c'est plutôt sympa. Bon allez, vous venez dans la campagne, du et voilà, et maintenant je me retrouve derrière les fesses d'un chat pour terminer. Bon allez, c'était Level 1, à bientôt pour un prochain Level 1, soyez sages, ciao. Sa maison, c'est à côté de sa fabrique de jouets? Comment je fais pour aller?